Connais-tu l'histoire de la grenouille Séraphine qui était au désespoir, grand problème la turlupine. C'est que sa maman avait commis la faute impardonnable d'oublier de la passer au spray imperméable. Alors que tous les habitants de l'étang sont étanches, Séraphine étonnant a peur de l'eau comme c'est étrange. Séraphine est heureuse, elle se balade dans les roseaux. Depuis hier, elle est amoureuse d'un super beau crapaud. C'est un mec au look d'enfer, de très bonne éducation. Par bonheur célibataire, Athanase, voilà son nom. Et il a d'autres atouts, car il n'aime pas l'eau du tout. Il préfère de loin la boue et s'y vautre jusqu'au cou. Notre Séraphine, elle regrette un peu son destin. Elle voudrait, comme ses copines, connaître les joies d'un vrai bain. Athanase, notre loufoque, vient de gagner à la télé un jeu vachement fast-top, un voyage tout frais payé. Et demain va s'envoler avec la belle Séraphine du côté de Yaoundé. Et comme les stars des magazines. Capitale, ils font galerie et musée. Toutes ces visites infernales, les voilà bien déprimées. Mais au jardin botanique, la promenade est idyllique. Parmi les fleurs exotiques, tout est tellement romantique. Tout à coup, c'est le drame, le déluge qu'on n'attend pas. Piqué, piqué, collégramme, nos amis l'ont dans le baba. Forcés de nager, ils ont trouvé ça méga cool. L'eau, ils l'ont tellement aimé qu'ils en sont devenus Marron, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Et qui, plein de malice, a su tourner la page. La morale de cette histoire, c'est que tout arrive à temps. Ne perdez jamais l'espoir et croyez en vous, ma